Salut les amis, voilà, on se retrouve donc pour la cinquième. Non, qu'est-ce que je raconte? On voit qu'il est tard. Pour la neuvième partie, donc, pardon, neuvième partie de ce walkthrough de Resident Evil. Décidément, j'aurais joué déjà plus de 2 heures aujourd'hui avec ce jeu pour vous donner un maximum de. Bah, pour jouer un maximum avec vous et poster les vidéos. Vu que je suis réduit encore à 15 minutes, ça me dérange toujours. Faut bien faire avec, hein. Ici, on va un peu bouger à l'inventaire parce que on va avoir des petites bébêtes que je n'aime pas du tout et que ça me donne plein de frissons. En plus, qu'il est tard, je sais pas quelle heure il est exactement. Il est quelle heure? Je sais pas dire, mais il est 23h30 et je vais peut-être shipper ma race, mais vous moquez pas. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire moi ici? Je cherche des trucs acides. Je suis en train de perdre plein de temps là-dedans déjà. Bon, on va regarder un petit peu, hein, un petit peu de sérieux. Cartouche explosive, non, c'est pas ça. Explosive, non, non plus. Cartouche acide ici, on a 6. Qu'est-ce que je fais? Non, vous savez quoi? On va se la jouer tranquille. Voilà, faire au fusil à pompe. Mais j'ai pas que cette balle quand même. Elle me sert à rien. Non, j'ai que ça. Ah, mais oui. Je me rappelle pourquoi. Parce que je suis mort à ce moment-là. Vous l'avez pas vu, vous. Parce que j'avais sauté direct. Enfin, si vous avez vu que je suis mort, mais vous avez pas vu la suite. Voilà, donc ici, on va prendre le fusil à pompe. Donc au cas où, si vous auriez oublié la partie précédente, ce qui m'étonnerait vu que c'est à la suite, je venais de traverser tout le jardin, je vais dire, et tuer les chiens et tout. Ici, je suis dans... Voilà, pour 10 cm, ça me fait chier. Voilà, c'est bon, là. Tu crois que tu seras le bossé? Ça va nous servir à bloquer une petite tentacule. La tentacule d'un boss d'ailleurs. Je vous en dirai pas plus, mais enfin, après vous le saurez de toute façon. Donc, vous voyez, il y a un trou là. Si je le cache pas, ben, je me ramasse un coup de liane ou je sais pas trop c'est quoi. Par contre, elle a l'air un peu mal foutue. Mais ce que je sais quand même passer. Ouais, ben, ça a l'air d'aller. On va faire ça comme ça. J'adore cette musique. Écoutez-moi ça. J'ai été surpris. En fait, je vous explique, j'étais en train de diminuer le son parce que j'avais augmenté le son pour vous faire écouter un petit peu comment ça se passait. J'adore le fusil à pompe. Je l'aime. Ici, il n'y a pas grand-chose, sauf le livre. Qui est assez important, je pense, si j'ai mes souvenirs sont bons. J'adore cette musique. Bon, allez, c'est tout avec la musique, on va se calmer, hein. Mais je l'adore, franchement, c'est... Je comprends pas pourquoi il demande encore, hein. Non, je vais pas l'utiliser, le passe-partout. C'est des munitions de fusil à pompe, mais je vais pas l'utiliser. Ça sert à rien. Pourquoi pas. Il est 23h, mais j'ai la pêche, je sais pas ce que j'ai. Je suis plus bavard que tantôt. Ah, j'ai mangé tout le temps. J'ai regardé un bon film aussi. Film que j'avais pu vu depuis un moment. Je vous raconte ma vie, je sais bien. Ouais, allez, c'est bien. Ici, il faut vider la baignoire, je pense. Ouais, il y aura une clé. J'ai cru que ça allait bloquer, je fais ça y est, c'est parti là, pour un bug là, ici c'est pas mal. Bon, la
clé, je vais la garder, parce que je sais plus trop où est-ce qu'on l'utilise. Par contre, le bouquin, je vais le ranger. En réalité, non, je vais ranger les deux trucs. La clé aussi, la clé, je la reprendrai après. De toute façon, je vais sûrement devoir y repasser. Parce qu'on va rencontrer des nouveaux monstres qu'on n'a pas encore vus. Et je les déteste. Je les supporte pas. Ouh, ça me donne déjà des frissons rien que d'y penser. Ouh là là. J'ai même pas envie d'y aller. Je crois qu'on va arrêter le fou ici. Ah, salut. Non, je déconne. Ouais. On va quand même. Oui, j'ai peur. Je les supporte pas. C'est des cages. Lâche-moi. Mais distraite la deux. Excusez-moi, mais je suis une vraie couille molle, surtout quand il s'agit d'araignées. Comment j'ai flippé. Oh là là. Voilà, donc je suis mort. Je déteste ces araignées, je les déteste. La salle de contrôle, ok. Donc ici, on va un peu mettre de l'ordre dans l'inventaire. Et on va changer d'arme parce que fusil à pompe, c'est pas possible. Je me suis fait tuer. Ça me saoule. Voilà. Hop, et voilà. Ici, on va prendre le bazooka. On va pas tortiller du cul pour chier droit comme on dit. Et on va prendre quoi? Des grenades acides explosives? Non, des grenades ordinaires je pense qu'on va prendre là. Ouais, on va prendre des grenades ordinaires. Ah mais cartouche explosive. Et voilà. Et voilà. Est-ce que. On va y retourner. Normalement, c'est les grenades acides qui sont plus puissantes avec elles. Je pense qu'il m'en reste 6, mais je vais quand même les garder. Bon, ben, j'espère que je ne vais pas encore mourir parce que là, ça va me gaver grave si je crève encore une fois. Quoi. Bête, comment ça se pique? Des mini araignées, qu'elle est poilue! Je le déteste, ces araignées. Il y en a plein de partout. Oh là là. En fait, là, je vous explique. Je suis tellement en train de shipper que je regarde dans ma chambre, parce que je joue dans ma chambre. Je suis en train de regarder après s'il n'y a pas des araignées un peu partout. On va contrôler sa vie aussi. Mais les petites font rien. Les petites. Mais c'est chiant quand même, quoi. Plus que. Allez, viens ici. Yep. Il y en a encore 3 là-bas, vous voyez, les petites fougueuses là. Hop, 4. Voilà, il y en a plus. Elles sont toutes mortes, je suis tranquille enfin. Ouh. Rien que de voir leurs pattes toutes velues là, ça me donne des frissons partout, c'est pas possible. Encore une ici, tiens, hop, tiens, c'est mort. Ok, bon, ça c'est fait. Donc c'est fait aussi que si mon inventaire est plein, je l'ai dans le postérieur, comme on dit. Sans deck, hein. Je sais plus prendre d'objets. Ah, encore deux. Hop, il y en a plus. Ici, il y a une énigme. Mais je sais pas. Je sais bien qu'il y a dans un épisode qu'on sait pas vraiment la faire. Neuf.
3, 6, 9. 3, 4, 5, là, c'est quoi là? 3, 4, 5. Ouais, c'est pour l'énigme, je pense, c'est pour la porte qui est un peu plus loin. En fait, cette salle ne servait strictement à rien, j'y étais pour rien. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir ces codes pour savoir ouvrir l'autre porte. On n'est pas du tout, même pas obligé, quasiment pas en fait. Hein. C'est juste pour vous faciliter la tâche pendant l'énigme. J'ai eu des frissons pour rien et j'ai tué deux araignées. Je suis fier de moi quand même. On va ranger tout ça. Ici, je sais bien qu'il y aura encore des autres monstres, mais je sais pas comment on va faire. Est-ce qu'on va faire ça comme ça ou on va prendre le pistolet peut-être aussi, non? Bon, on va faire ça comme ça. On va prendre le pistolet et la clé. Pistolet et la clé. Hop. Bon, la clé, j'espère qu'on n'en aura pas besoin tout de suite. La clé de l'armure. Au cas où, je l'ai rangée là. Hein. Ça fait déjà 15 minutes. Mais vu qu'il va avoir coupé 10 minutes. Comment ça se fait qu'ils sont enlevés? Oh, comment j'ai flippé là encore. Pourtant, je comprends pas. Limite, c'est du n'importe quoi. Et moi, je me balade sans armes. Je me balade hétéroclé. Poste de garde. Si mes souvenirs sont bons. Ici il y a des plantes, rien de bien extraordinaire. On va les laisser là pour l'instant. 002, ouais, juste. Ce sera une clé ici, on va venir chercher après. Vous voyez, c'est ici. Tantôt c'était 3, 4, 5. Panneau avec des touches. Pousser les touches. Oui. 3, 4, 5. Trop sympa. Les boules, par contre, je sais pas à quoi elles servent en fait. Bleh. Ouais, ici c'est un bordel. Hein. Il y a quelque chose d'écrit sur le mur. O, 1, rouge, 2, violet, 3, vert, 4. Ouais, faudrait que je note sur un bout de papier, je me rappelle plus de la truc. Il y a quelque chose d'écrit sur le mur. 1 plus 2 égale 3, 3 plus 4 égale 7, 2 plus 4 égale 6, 6 plus 7 égale 13, 13 plus 3 égale 16. Oh là là. Ouais. Donc 1 plus 2 égale 3. Il me faut des places dans mon inventaire, ce que je n'ai pas du tout, donc on reviendra ici après si vous le voulez bien. S'il y a des abeilles, je pense. On va vite prendre la clé, on va faire comme si de rien n'était. On va se casser le plus vite possible. Ah, malédiction! C'est pas moi, j'étais pas là. Non, va-t'en. Laisse-moi tranquille. Un petit cri, c'est parce qu'il fait nuit. Comment j'ai fait? Non, les abeilles, ça va, elles me font pas encore trop peur. C'est juste cri de panique pour pas qu'elles me touchent. Hein. 002, voilà, ok, c'est bon. Maintenant, on a la clé pour aller ici. On va donc aller à cette salle qui se trouve ici. Hop, on peut l'acheter. Le plus utile de l'acheter, bien sûr que oui.
Hop, voilà. Bye bye.